Et coucou! Bienvenue pour cette, toutes mes vidéos. Ça fait longtemps que j'avais vu cette pub. Et bienvenue pour ceci. Nous allons jeter un petit coup d'œil à la ligue qui va se préparer. Alors, je ne vais pas m'y attarder beaucoup parce que la dernière fois, j'ai n'avais pas une bonne expérience. On va juste voir vite fait qu'est-ce que j'ai fait. Et voir en effet qu'est-ce qui va être bon pour cette manche. Alors, déjà, ça commence dans une semaine. Donc on a le temps de se préparer, bon, franchement, on a tout le temps qu'il faut. Ceci dit, le passif, du coup, pour tous ceux qui sont membres de cette famille, qui regroupe Festival 1, à savoir Grimbois, Piste des Merveilles, Avalon, Pirate et Gardien. Voilà, c'est bien ça. Sous cela, en plus d'un bonus de, tâte, de stats, ont une chance sur 4 de résister à tout effet négatif, réduction de malades et dissipation de bonus. Grosso modo... Un... Il me faudrait un exemple, si il doit y en avoir un, c'est sûr, pas loin. Voilà. C'est un peu comme eux qui ont 3 chances sur 4 d'également résider à définit négatif sur de bonus. C'est le même délire, sauf que là, c'est pas 3 chances sur 4, c'est 1 chance sur 4. Voilà, c'est pour donner un peu une ordre d'idée de qu ce que ça représente concrètement. À savoir que il y a aussi les ecclésiastes et les bavards qui sont du coup à la une. Et ici on rappelle que les 3 étoiles ont plus 100% de stats, les 4 étoiles plus 30%, les 5 étoiles plus 30, 40% au lieu de plus 30%. Par conséquent, on peut se mettre des petites folies et on ce que ça donne. Donc concrètement, Beauchamp il, va avoir le, il a le double des stats de base qu'on voit là. Donc, concrètement, il va avoir 1300 d'attaque, presque 1400 de défense et 2600 PV, au plus grand des calmes. Donc, il devient beaucoup plus balèze que, que les 5 étoiles que j'ai. Et en plus, il a du coup ce passif-là, et en plus, qui puisse être, vu que j'ai mis 3 d'Avalon, il a plus 10% de chance de coup critique et plus 6% de soin, donc petit plus, pourquoi pas Pipe pour un qui du coup a une défense et des PV qui vont être colossales. Il va avoir 1600 PV des poussières et 2800 PV et 1600 de défense et des poussières pardon. Donc il euh, y a bien de beau bon à voir. Dame du lac qui hors euh, des stats qui sont des bien plus élevées, Sanglais sont déjà pas mal. Et bien sûr, une un petit tank qui va vous provoquer, autant pour moi qu'il va avoir 1400 de défense, presque 3000 PV. Et avec, euh, bah, bah, avec le petit passif en plus, qui du coup combiné avec la classe moine, ma foi, ça fait bon mélange. À noter que les troupes 5 étoiles sont autorisées vraiment de quoi s'adonner à son imagination. Et si j'ai mis un héros bleu, juste parce que vu que j'ai deux verts, logiquement à partir sur du rouge, donc c'est histoire de faire une légère dissuasion, et vu qu'il est paladin, un défaut, j'ai mis une troupe spéciale paladin pour, pour qu'il y ait un petit buff aussi. Voilà, donc, euh, pour faire simple. Je montre vif est ce que j'ai. J'aurais pu mettre le chat beauté, mais je ne vois pas trop d'intérêt. Il y a Brisos, que j'aurais pu mettre aussi très bien le plus de Skadi. Mais encore une fois, je voulais mettre l'élément bleu histoire de perturber euh, un peu le game. Euh, j'ai pensé à mettre Ansel, mais trois vers, ça ferait trop fragile. On va avoir trois du même élément, etc. etc., etc. J'aurais pu augmenter de niveau dans une folie meurtrière Captain Caro, qui, ma foi, aurait pu être sympa. Il aurait pu, mais... Ouh là, je fais une grosse bêtise. Mais considérant que je n'aurais pas le temps de, en une semaine, et puis aussi en même temps qu'on se le dise, j'ai pas forcément les ressources en termes d'emblème paladin, je suis déjà très limite. Enfin, euh, je pourrais, mais bon. Ça, ça reste mon avis. Donc voilà, par rapport un peu aux formations. Donc là, du coup, c'est un peu fun. On peut trouver du coup des topéraux avec les 3 étoiles, potentiellement. Donc ça peut être très très drôle. Après, à voir si vraiment ça avait une différence. Mais logiquement, ça devrait être drôle. Ensuite, le butin. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose Alors, sachant que si on résiste et qu'on est jusqu'à la dernière manche. On aura un lot de nourriture qui peut être petit ou grand. Des mots de fabrication, vos jeux de combat, matériaux d'évolution, emblème de classe. On sera à 30 points à la ligne. Pièces de récit inédites, ça peut être de 10 jusqu'à 30. Et des jetons d'invocation. Bon, il n'y a pas. Encore une fois, pour un mois de, de casse-tête, le butin en tout cas, il n'est très clairement pas intéressant. Et en termes de classement, sachant que ça, c'est par semaine, si je n'ai pas de bêtises. Donc c'est intéressant, vous êtes parti, si vous faites partie des meilleurs des meilleurs, vous pouvez régulièrement, du coup, avoir chaque semaine ben, un bon butin. Donc là, du coup, oui. Mais si vous êtes, on va dire, un petit peu comme moi, lambda, et pas forcément avec des ressources incroyables, ben, ça, entre guillemets, on peut mettre une croix dessus. Voilà, pour, pour être sympa. Donc c'est surtout ça qui va être impactant. Et bah, euh, voilà Encore une fois, les, les récompenses, on dirait qu'il y en a plus en termes de quantité, en termes de qualité. Pff, ouais, euh, enfin, bref, voilà, je pense que c'est c'est vite dit. Donc, euh, peut-être que je ferai des vidéos lorsque j'affronterai des équipes 3-4 étoiles. Ça pourrait être fun de voir les équipes 3-4 étoiles au niveau de 5 étoiles. Ça, ça pourrait être drôle. Ça, je, je le nie pas. Mais euh, sinon, euh, en tout cas c'est si on fait ça pour la récompense bah franchement allez chercher ailleurs parce que là c'est juste pour le fun il n'y a pas de perspective de récompense en vue sauf encore une fois si vous êtes vraiment ne serait-ce que dans les 50 000 premiers rien que ça c'est déjà un petit plus mais ça devient intéressant à partir à mon sens des, des 1000 premiers et bien sûr encore mieux dans le top 10 mais bon voilà, par rapport à cette ligue d'héros qui est toujours en phase bêta. On verra ce que ça donne. Et puis, euh, voilà, 3-4 étoiles à l'honneur. À très vite et tchao